Bonjour à vous, chères âmes amies. Vous allez entrer dans la période hivernale en ce 21 décembre 2021, au solstice d'hiver. Ce moment, lorsque la nature est au repos, comme endormie, est propice au retour sur soi. Nous sommes invités à rendre visite symboliquement à la crèche de notre cœur, d'où tout procède. Dans ces temps d'obscurité, vous avez besoin de retrouver le guide intérieur qui ne fait jamais défaut, qui vous accompagne tout au long de votre existence. Cette petite voix, cette intuition que vous pouvez percevoir à présent, de mieux en mieux. Si vous vous détachez du monde et de la course des fêtes. Peut-être le Noël de cette année sera-t-il différent parce que vous y aurez invité la grâce et la providence. Chers amis, je vous ai souvent parlé du don d'observation, de cette capacité à se décoller de ce que nous vivons afin de le laisser entrer sans volonté d'intervenir, sans jugement, juste dans la conscience du moment. J'aimerais vous inviter, si vous le voulez bien, à considérer la force de l'instant d'une manière un peu différente aujourd'hui. Avez-vous déjà essayé d'agir en étant pleinement conscient, en observant vos propres gestes, en ressentant le mouvement de vos muscles, le souffle de votre respiration? Avez-vous déjà essayé de marcher en ne mettant votre attention que dans chacun de vos pas, puis le suivant, puis celui d'après? Lorsque vous marchez avec la conscience chevillée à vos pas, vous pouvez découvrir la liberté dans l'inconnu, la force de la foi qui propulse vers l'avenir. Pourquoi je vous parle de cet avenir, de ces pas, de cette forme de conscience? Parce que, quoi que nous croyons, nous ignorons tout de ce qui vient à nous. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Nous croyons décider pour nos vies, faire des choix, et nous en faisons parfois. Pourtant, la plupart de nos choix sont dictés par les circonstances extérieures, les imprévus, la note du moment. Vous ne savez pas où vous serez dans un an, ni dans un mois, ni même dans un jour. Vous pouvez le supposer seulement, car la vie, qui est bonne par essence, peut vous surprendre à chaque instant et vous proposer une expérience à laquelle vous n'aviez jamais songé. Logiquement, vous avez une idée de ce que votre lendemain sera fait. Et pourtant, même si vous vous attendez à croiser les mêmes personnes, à suivre les mêmes horaires, à effectuer le même travail, la vie vous envoie des petits signes, et parfois des grands signes, qui peuvent changer votre perspective et vos habitudes. Une panne, l'absence d'un collègue, la maladie d'un enfant, l'ami perdu de vue que vous croisez inopinément. Vous ne savez pas de quoi demain sera réellement fait. Vous ne savez même pas de quoi la prochaine heure ou la prochaine minute sera faite. Vous croyez le savoir et le croyant, vous manquez peut-être d'attention, car les petits signes que vous envoie la vie sont parfois ténus. Et lorsqu'ils ne le sont pas,
on se cabre facilement parce que la force de l'habitude en vient à être contrariée. Sommes-nous des êtres d'habitude ou des êtres spontanés? J'en reviens à la marche. Si vous avez défini un but, une destination, et que vous voulez l'atteindre en marchant, vous savez que chacun de vos pas vous en rapprochera. Toutefois, même si vous en connaissez l'itinéraire, vous n'êtes pas à l'abri des imprévus. Certains se présenteront comme des obstacles, d'autres comme des coups de pouce. Mais, encore une fois, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, et si vous voulez déjà être arrivé à votre destination, vous vivrez mal tout obstacle sur le chemin. Vous entrerez en conflit avec lui, vous vous battrez peut-être avec lui, et vous vous y épuiserez. Peut-être l'obstacle n'est-il au fond qu'une opportunité masquée. Peut-être, devant faire un détour, allez-vous découvrir un paysage magnifique, une personne extraordinaire, une force nouvelle. D'où vient notre difficulté à accepter les contrariétés ? Par le fait que nous les prenions justement pour des contrariétés que, le plus souvent, nous nous disputions avec elles. Le faisant, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. La vie étant bonne, elle ne cherche pas à nous ralentir ou nous empêcher d'atteindre notre destination, mais à nous offrir les appuis ou les défis qui viendront nous renforcer. Chers amis, la situation que vous vivez à présent compte parmi les pires contraintes que vous n'ayez jamais affrontées. Mais si je vous dis que la vie est bonne, et si j'insiste sur ce fait, c'est parce que sur ce chemin dans lequel vous êtes engagé malgré vous, vous pouvez découvrir des trésors et changer votre perception des choses. Cela ne veut pas dire accepter la contrainte. Cela signifie utiliser la contrainte pour grandir en allant vers votre but. Tous, nous savions que notre façon de vivre allait nous détruire. Nos valeurs, pour la plupart consuméristes, nous propulsaient avec la vitesse d'un train fou dans un mur, entraînant avec nous notre biosphère, avec, à la clé, la réalisation du rêve dégénéré de l'homme-machine, du transhumanisme. Ce qui se dresse devant nous n'est que l'épouvantail du matérialisme poussé à son paroxysme, la négation de l'esprit, la destruction de l'amour. C'est cela le mur, l'obstacle qu'il vous faudra, qu'il nous faudra contourner. Ce n'est que devant l'obstacle que nous pouvons prendre toute la mesure de cette réalité, heureusement en train de s'estomper. Vous ne savez pas où vous en serez dans un an, ni dans un mois, ni dans un jour. Certes, vous aimeriez des certitudes, nous avons tous besoin d'être rassurés. Cependant, nous sommes des explorateurs de la vie et l'explorateur ne sait pas les obstacles ni les opportunités qu'il va découvrir, car il découvre le chemin au fur et à mesure de sa progression. C'est pourquoi chaque pas est important. Chaque instant où la conscience est présente est important. Vous le savez, vous n'avez de pouvoir que dans l'instant, pas hier ni demain, pas la minute d'avant ni celle d'après. Mais la vie est bonne, et si vous le ressentez,
Si vous commencez à le percevoir, à le croire, alors vous allez libérer une force considérable en vous et vous commencerez à voir les obstacles différemment et peut-être même à en rire. Le rire est une autre vertu du détachement, de l'observation. Cependant, je vous l'accorde, vous n'avez certainement aucune envie de rire en ce moment. Vous avez un guide à écouter, un guide qui se trouve dans votre cœur et qui vous accompagne à chacun de vos pas. Un guide intérieur qui vous propose de vous détendre, de prendre une profonde inspiration et ainsi de dilater le temps en vous. Le temps de l'observation est un temps dilaté, un temps qui écarte naturellement le tumulte extérieur et vous accorde votre place et votre espace. Apprenons à reposer en vous, dans la profondeur de votre être. Vous prenez de la hauteur et vos préoccupations cèdent naturellement. Avoir l'esprit et le corps tranquilles vous accorde la vraie liberté, celle qui permet de faire réellement un choix qui ne soit pas dicté par la contrainte, ni par la révolte, ni par la soumission, un choix paisible que vous ressentez pouvoir tenir dans la durée, dans chacun de vos pas. Vous pensez que vous n'avez pas de pouvoir parce que vous oubliez votre souveraineté. Ce n'est pas vous qui allez vers l'obstacle, c'est l'obstacle qui vient à vous si vous comprenez qu'il n'est là que pour vous permettre d'exercer votre souveraineté. Chers amis, le monde est agité en ce moment, tempétueux même. Ne prenez pas part à la tempête. Cultivez la tranquillité et vous verrez plus loin. Vous verrez au-delà de l'obstacle. Voyant au-delà de l'obstacle, vous saurez comment le contourner en faisant preuve de créativité. En innovant, en vous laissant féconder par l'esprit du temps nouveau qui arrive à vous, qui vous appelle et que vous n'entendrez que si vous demeurez tranquille, concentré sur chacun de vos pas, confiant et puissant dans votre foi, vous retrouverez votre pouvoir céleste, votre lumière. Vous participerez à la dissolution du mensonge et des ténèbres. C'est dans le calme et la lumière de votre temple intérieur que la matrice, peu à peu, se désagrège. Moi, qui vous parle depuis cet avenir que vous appelez de vos vœux, je peux vous certifier que ce processus est maintenant totalement engagé et irréversible. Sachez que si l'obstacle se durcit, c'est parce que la victoire de la lumière est proche. Alors, chers amis, soyez en paix, cultivez la tranquillité et demeurez conscients de l'avance de chacun de vos pas.